Hello la famille. Aujourd'hui, on va vous faire quoi? Un marbré chocolat vanille. Ouais, regardez comment ce que ça donne. Wow. Et puis c'est surtout très très moelleux. Ouais. Alors, à ton avis, ils veulent avoir la recette? Bah oui, bien sûr. Eh bien, très bien. On va vous donner la recette tout de suite. Il nous faudra un pot de yaourt nature, 220 g de farine, 5 centilitres d'huile végétale, 5 g de sucre, un sachet de levure chimique, du Nutella, une cuillère à soupe de liquide vanille et du pralin facultatif. Et là, on commence par faire quoi? On met les œufs. Voilà. Trois. Et après, Malaika va mettre quoi? Les 3 œufs. Malaika va mettre quoi? 2 œufs. Malaika va mettre quoi? Le sucre. Voilà, nous, on a utilisé du sucre de coco, bien sûr. Ouais. Si vous utilisez du sucre coco, vous pouvez mettre 80 ou 70 g de sucre au lieu de mettre les 100 g de sucre. Et là, on mélange, on mélange bien jusqu'à ce qu'en fait le sucre fonde, disparaisse. Ouais. Voilà. Donc après avoir bien mélangé, là on rajoute le yaourt. Bah alors vous pouvez mettre tout d'un coup le yaourt. Mais comme on travaille en équipe, et bah du coup, Malaika voulait mettre tout doucement le yaourt. Et oui, après, mais tout. Et voilà. Et après, toi, tu fais quoi? Bah, on mélange. Et ouais, tu mélanges. Et là, regardez comment elle va jeter l'huile. Boum! Malaika. On mélange. Et là, on rajoute, là, c'est vrai, il faut rajouter petit à petit la farine. Ah, oui. Et pendant ce temps-là, Rosie, elle continue de mélanger tout doucement. Vraiment un travail d'équipe. Hein. Oh oui. Je les ai vraiment laissées faire toutes les deux. Ah bah oui. Et après, il faudra rajouter la levure, du sachet de levure chimique. Une petite astuce, rajouter une petite pincée de sel dans la farine. Une petite pincée. Yeah. Ouais, allez. Et elle va tout mettre. Elle va tout mettre. Les petites... Et regardez la levure. La levure chimique. Boum. Et voilà, faut pas avoir peur hein, de que ça en mette partout avec les enfants. Moi, j'en mets comme ça. Et je rajoute la vanille. Ah oui. La vanille. On mélange. Et là, maintenant, on va commencer à verser un peu de pâte dans chaque petit moule, en fait. Ah, et oui. On fait ça sur, sur toute la plaque, en fait. Tout le moule. Et après, on met une petite, cuillerée de Nutella. Et après, c'est là qu'elle mélange. Alors, faut bien aller au fond et ramener, voilà. Et ramener comme ça. Exactement. Ouais. Comme vous pouvez mettre juste du chocolat fondu, hein, pas forcément que ce soit du Nutella. Hein. Ouais, du chocolat. Et après, tout cela ira au four. Et oui, regardez. À 180 degrés pendant 20 minutes. Voilà. Et moi, je rajoute un petit peu de pralin, c'est bien facultatif. 180 degrés. Hein. Et pendant que ça va au four, regardez-moi ces gourmandes. Regardez-moi, vous avez vu? Et elles sont toutes contentes en plus de leur travail. Bah, faut bien les récompenser, hein. C'est bon la pâte, c'est bon. Elle est toute sale. Elles s'en ont mis plein partout. Elles m'ont nettoyé le four. Elles m'ont nettoyé le saladier. Bon, hein. C'est bon, hein? Ouais. Et maintenant, voici le résultat. Tada! Waouh! C'était bon ces gâteaux? Ouais, c'est trop bon. Trop bon! Waouh! Et voici un petit goûter rapide. Et les enfants ont adoré. Magnifique. Allez, si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il faut faire. On se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ubuntu. Yeah.